Voici le guide complet des défis Midas présente le sol est en lave sur Fortnite. Je vais vous faire un guide des 5 défis qui sont disponibles actuellement. Alors pour réaliser ces défis, vous allez devoir sélectionner le mode de jeu Midas présente le sol est en lave. Donc pour le trouver, vous allez dans les jeux par Epic, et là pour l'instant il est en première position, sinon vous cherchez un et vous le sélectionnez. Dès que vous l'avez trouvé, vous le sélectionnez, vous lancez la partie et c'est parti pour le guide complet. Le premier défi va vous demander de construire des structures directement sur l'or fondu. Donc là, à partir de la tempête numéro 1, voire la tempête numéro 2, vous aurez énormément de lave sur toute la map. Donc en fait, l'or fondu, c'est tout simplement la lave qui est en face de moi. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de construire directement sur cette lave. Voilà, vous construisez, hop. Et logiquement, dès que vous aurez construit 25 structures directement dans la lave, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser le fusil harpon pour attirer un joueur dans l'or fondu. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le fusil harpon. Alors il est assez compliqué à trouver, je ne vais pas vous mentir. J'ai galéré à le trouver. Donc j'ai trouvé comme ça posé au sol, même pas dans le coffre. Donc dès que vous avez ce fusil à harpon, là ce que vous allez devoir faire, c'est de tirer sur un ennemi, de le toucher pour pouvoir l'attirer vers vous. Mais il faut que quand vous l'attirez vers vous, il tombe dans la lave. Donc dans la lave qui apparaît hein, sur la map, donc l'or fondu. Et je pense que ça doit être quand même assez complexe. Donc je vais essayer de le faire, mais je vous garantis rien. Après, ça peut peut-être fonctionner si vous le faites avec un allié. Donc là, je vais essayer de rejoindre mon allié. Et je vais essayer de l'attirer dans la lave pour voir si ça fonctionne. Parce qu'un joueur, en réalité, mon allié, c'est un joueur aussi. Donc peut-être que ça fonctionne. Bon, j'ai pas pu essayer avec cet allié parce qu'en fait, il s'est fait tuer avant. Donc si jamais vous essayez et que ça fonctionne avec un allié, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je vais pas pouvoir essayer parce que je vais tout simplement mourir à cause de la lave. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne avec un allié. Et si ça fonctionne pas avec un allié, vous allez devoir le faire obligatoirement avec un joueur adverse et réussir à tirer sur le joueur pour l'amener justement dans la lave. Donc ça peut être compliqué, mais si vous y arrivez, alors vous êtes des PG. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des joueurs avant de toucher l'or fondu. Donc l'or fondu, c'est tout simplement la lave qui va apparaître en plein milieu de la partie, enfin pendant la partie. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer des joueurs. Et dès que vous en aurez éliminé 10 avant de toucher l'or fondu, donc la lave, bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'utiliser des mini matelas de chute ou des ballons. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir soit trouver des mini matelas ou des ballons qui se trouvent un peu là aléatoirement sur la map, hein, posés au sol comme ça, ou alors dans des coffres, si vous avez de la chance, vous allez en obtenir. Alors je les trouve assez difficiles à trouver quand même, donc vous allez devoir chercher un petit peu pour pouvoir les trouver. Donc ensuite, quand vous avez des ballons ou des mini matelas, ce que vous allez devoir faire, c'est d'en utiliser. Donc là, vous les utilisez, par exemple là, j'ai utilisé un ballon, je vais le lâcher, je réutilise le ballon, et je fais ça 10 fois. Soit avec les ballons ou soit avec les matelas et quand ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de survivre au cercle de la tempête. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à lancer une partie, ensuite de survivre au cercle de tempête et dès que vous aurez survécu à 10 cercles de tempête, bah là vous aurez terminé le défi. Code Crash.